Bonjour à tous. Ici, on se retrouve sur CorelPaint Pro. Donc, voilà, moi j'ai récupéré une image sous Google. Donc, elle n'est pas de moi. Donc, je la remettrai telle qu'elle est. Je vais faire des modifications dessus, mais je n'ai pas à l'enregistrer. Comme elle n'est pas à moi, je ne vais pas changer. Voilà. Donc, on va voir ici pour. Toujours ici sur réglage, le mappage temps local. Donc on regarde ici, on a intensité et taille de bloc. Donc sur PaintShop Pro 3, il n'y a que intensité. Hein, taille de bloc n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a les deux. Donc on va regarder par exemple une intensité. J'ai augmenté petit à petit, donc on voit ici l'intensité qu'on donne. Voilà, et ici taille du bloc. Donc on rectifie. Donc en fin de compte, on rectifie les ombres, par exemple du visage qu'il y a ici en haut. Donc au plus on met. Au plus on met d'ombre. Voilà. Donc si on va à fond, à 100, voilà ce que ça donne. Hein? Et ici on voit, ben, en bougeant, on voit que on déplace nos ombres plus ou moins où on veut les mettre. Donc là ça fait vraiment affreux. Donc je vais mettre à peu près à 24, ça me paraît très bien. Et ici, on voit, on peut changer. Voilà, donc qui est beaucoup mieux. Donc voilà pour ma page temps local. Donc je vais tout remettre à zéro. Donc ici, on va voir pour l'équilibre des couleurs. Donc c'est pareil, hein, sur le Pro x3, il n'y a que température, teinte n'y est pas. Donc c'est une nouveauté sur le 4. Donc ici on voit température, on va dire, mettons ici plus froide, plus chaud. Donc on va dire ici sur le tiède. Donc si on descend plus froid, on voit déjà le changement couleur beaucoup plus froide. Donc si je vais à fond, voilà. Donc plus chaude. Donc si on augmente, on a une couleur beaucoup plus chaude. Voilà. Donc je vais aller là. Et ici, pour la teinte, on peut aller partir sur le violet. Hein, donc ça fait déjà un peu plus froid déjà aussi. Et ici, on peut monter sur le vert. Voilà. Donc je vais tout remettre à zéro, comme j'ai dit. Donc là, j'étais 500. Bon, c'est pas grave, j'enregistrerai pas. Et il y a ici luminosité et contraste. Donc c'est pareil. Non, je sais plus sur la 3. Je crois qu'il y aura les deux, je crois. Je sais plus. Bon, enfin. Donc ici, luminosité. Bon, on a vu, hein, un peu moins de lumière. Hein, qui nous donne une photo tout à fait beaucoup plus nette. Ou alors. On va en plus, donc si on va à fond, on la voit plus du tout d'ailleurs. Hein. Donc plus de lumière, donc ça me paraît pas beau. Donc je vais, admettons, à peu près ici. Et ici on a le contraste. Donc on peut diminuer le contraste ou l'augmenter. Voilà. Donc ici on joue, là si on fait à peu près des petits réglages comme ça, on peut faire l'impression que ça a été, c'est un dessin, tout comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour déjà ces trois paramètres là. Hein, ici ma page ton local.
équilibre des couleurs, luminosité et contraste. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.